Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à trouver la licorne en peluche de Deadpool. Alors cette peluche, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout où elle se trouve, mais je vais quand même vous citer tous les emplacements possibles de cette licorne. Le premier emplacement où la licorne pourrait apparaître, c'est dans le QG. Peut-être en plein milieu de la table de défi ou à côté de l'un des personnages, j'en sais rien, mais moi personnellement je pense qu'elle se trouvera pas trop là. Ce que je pense, c'est qu'elle se trouvera dans le repère de Meowth Clay. Comme c'est un nouveau repère, je pense fortement qu'il y a de grandes chances que la licorne se trouve à cet emplacement. Surtout que Meowth Clay, c'est un chat, donc un chat qui joue avec des peluches, c'est assez cohérent. Si il ne se trouve pas dans cet emplacement, il pourrait se trouver dans le repère de Brutus, genre sur son petit lit qu'on voit à gauche, et genre, tu vois, pour l'histoire, Brutus, ben, pendant la nuit, voilà, il câline sa petite licorne en peluche, voilà, je trouve que pour l'histoire, ça pourrait être pas mal. Sinon, la peluche pourrait se trouver chez Tentina, genre sur son bureau ou alors sur un obus là-bas au fond, j'en sais rien du tout. Je pense pas qu'elle se trouvera chez Tentina. Après, c'est une fille, une meuf avec une peluche, ouais, pourquoi pas, je sais pas trop. S'il se trouve pas dans ces endroits-là, peut-être alors aller voir chez Maya. Et chez Maya, elle se trouvera peut-être au-dessus d'une étagère ou même en dessous d'une étagère, je ne sais pas non plus. Et la dernière possibilité, c'est qu'elle se trouve dans le repère de Deadpool. Alors ça, c'est fort possible aussi, parce que quand tu vois tout le bordel qu'il y a dans la toilette de Deadpool, tu te dis que tout et n'importe quoi pourrait s'y trouver. Donc pourquoi pas une licorne en peluche? En plein dans le pissoir, ou en plein dans l'évier, ou carrément dans le pot de toilette, ou peut-être en train de se faire laver dans la machine à laver. J'en sais rien du tout, mais en tous les cas, je vous ferai une vidéo. Dès que le défi sortira, je vous posterai l'emplacement exact de cette vidéo. Donc voilà qui termine mon aide pour les défis de Deadpool. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager pour aider à faire évoluer la chaîne et à t'abonner si bien sûr tu n'es pas encore abonné. Merci à tous et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace.